Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler destructeur de monde. Depuis maintenant 6 ans, il enchaîne les royaumes et les détruit comme personne. On va parler des rapports des nouveaux commandants légendaires, on va parler KVK, on va parler Event. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos. Bref, tout est sur le Discord et surtout les ajustements des pronostics le samedi sur le Discord. Le vendredi 18h, une vidéo pour continuer de se blindax avec la Ligue Osiris saison 8. Hein. On est plutôt très très bien pour ceux qui nous suivent. Et le samedi, les ajustements qui permettent de rajouter à chaque fois un petit peu plus de blindage à ce méga blindax qu'on opère depuis maintenant 4 semaines et le début de cette saison. Les amis, on va commencer tout de suite hein, par notre ami Bélisser Prime hein, qui a été ou qui est, selon votre serveur, hein, dans la roue de la chance. Qui est dans la roue de la chance si votre serveur est suffisamment ancien, ce qui est le cas d'une très grande majorité des serveurs. Est-ce qu'il faut se précipiter pour débloquer Bélisser Prime hein? On va voir les premiers rapports, ce qu'ils en disent. Je vous conseille tout de même de le débloquer. Donc moi, je vais faire tout simplement. Alors, j'ai déjà eu la chance sur mon tirage gratuit d'avoir 8 sculptures. Donc, il n'y a quasi aucun enjeu. Il suffit que j'arrive aux 10 tours. Oui, les 10 tours sont rentables. Vous avez vu, hein, j'ai fait 5 tours là et je ne vais même pas avoir une sculpture. Il m'a bien carotte. Donc, lorsque je vais ouvrir ce coffre-là, dans un tour gratuit, j'attendrai le tour gratuit de demain, et eh bien j'aurai mon ami Bélisser Prime, puisque j'aurai 5 sculptures, plus les 8 que j'ai obtenues. Ce tirage que je viens de vous faire, hein, il était particulièrement éclaté. Je me suis bien fait voler 3600 gemmes dans l'opération. Avant de regarder les rapports de notre ami Bélisser Rogue Prime, évidemment, et pas Bélisser éclaté qui est épique, revenons sur notre ami le destructeur de monde, puisque l'info est apparemment officielle, vous le savez, hein, y a un compte qui a été racheté par son fils chez les 60 GT. Oui, notre ami Baba quitte son royaume le 32-81 après l'avoir fait perdre en Ligue Osiris, après l'avoir fait perdre en KVK avec son ami Ekremabi. Donc, comme ils le disent dans le message, hein, comme vous le savez, on va we are not having migration right now, c'est-à-dire qu'on ne va pas migrer tout de suite. Hein. Il y a un grand nombre de raisons derrière cela, mais ça ne concerne pas notre ami Ekrem, puisque Ekrem et Abba et Baba et Abba et Baba, eux, vont migrer à la fin de ce KVK pour un nouveau projet qui s'appelle la Pomme Rouge. Alors là, que de mystère. Je peux déjà vous dire une prémonition, ce projet va aboutir à la mort d'un serveur. Lequel? Surprise! C'est là qu'il faut bien être vigilant. Ils vont rester tout de même, hein. Ils vont pas aller sur un compétitif KVK pour ce KVK-là ou pour le prochain. C'est pas très clair, hein. Ils ne vont pas avoir davantage de fight. Ah, c'est peut-être pour le prochain KVK. Je ne sais pas, parce que le leur n'est pas tout à fait fini. Même s'ils ont perdu, il reste encore 2 ou 3 semaines à attendre la fin pour la ziggourate. Hein, ou 2 semaines, je dirais. Ils peuvent farm, oui, ils vont farm tranquillement sur ce KVK. Pas d'autres informations, si ce n'est la migration de leurs 2 plus grosses baleines. Après avoir une nouvelle fois éclaté un nouveau royaume. Alors j'espère, les amis, pour vous, que Baba et Ekremabi ne vont pas arriver dans votre royaume, car ça voudrait dire que votre royaume va mourir. De mémoire, pour Baba, je crois, n'hésitez pas à me corriger pour ceux qui sont là depuis le début comme moi, je crois que c'est le 6e royaume que Baba détruit, et je n'ai pas souvenir d'un seul serveur où il serait passé, un seul royaume où il serait passé, et qui serait encore en très grande forme aujourd'hui. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein. Je peux avoir des petits trous de mémoire sur certains royaumes. Il en fait tellement et il en a détruit tellement. Mais 6 quand même, ça commence à être un très très bon record.
Les amis, je vous le disais, on va se pencher sur les premiers rapports de notre ami Bélissère que je n'ai pas encore débloqué, comme je vous ai dit. Heureusement que mon tirage gratuit m'a donné 8 sculptures, parce que c'est pas avec les tirages que je paye que je pourrais le débloquer. Regardons donc ces premiers rapports, et ce premier rapport, on est sur des rapports. Alors, il y a 6 rapports en tout. Ce ne sont que des rapports en open field, que des rapports équivalents, équitables en termes de stuff. C'est pareil, pas de stuff d'aucun des côtés, pas de reliques, pas d'artefacts. Bref, c'est vraiment des conditions similaires, même si ce n'est pas parfaitement viable, puisqu'il y a des classes qui ont des meilleures reliques que d'autres. On le sait, c'est plus facile d'obtenir et plus avantageux pour certains les reliques, mais au moins on a quelque chose de brut et de comparable. Donc on a la star de l'open field d'un côté, Zugliang avec Herman, face à HQ et Bélissère. Oui, on l'a vu, hein, Bélissère avec HQ, c'est l'un des meilleurs binômes, si ce n'est le meilleur binôme actuellement avec Bélissère Prime. Et on le voit sur ce premier rapport, 340 000 troupes puissance de perdu sur notre ami ZL et 253 000 de puissance sur HQ Bélissère. En termes de sévèrement blessé, on a 34 000 d'un côté, 25 000 de l'autre, et il reste surtout, c'est ça qu'il faut regarder, 48 000 troupes sur ce premier match, ce qui veut dire qu'on a sauvé un petit peu moins de 25% des troupes, ce qui est déjà un bon ratio, entre 20 et 25%. Ça veut dire que ça ne s'est pas joué à un critique, hein. Zugliang et Herman se sont bien fait déboîter, sans être non plus éclatés totalement. Ils se sont fait bien poutrer sur ce premier rapport, hein. Deuxième rapport, cette fois, hein, on est sur de l'extrêmement lourd, puisqu'on a Gorgo Liu Che face à HQ Bélissère. Alors c'est sûr, infanterie, cavalerie. Le résultat était un petit peu joué d'avance, 233 000 du côté de Gorgo perdu en puissance, 304 000 du côté de HQ en termes de sévèrement blessé, hein. 23 000 pour Gorgo, 30 000 pour HQ Bélissère, hein, et il reste 32 000 troupes, hein, ce qui fait environ, allez, 15%. C'est moins favorable que Bélissère Prime face à Herman. Il lui restait plus de troupes, même si évidemment c'est moins favorable parce qu'il perd. Mais je suis sûr que vous avez compris ce que je veux dire. L'écart de victoire est plus favorable de Bélissère vers Herman que de Gorgo vers Bélissère. Ce qui donne une indication, une tendance, hein, sans être non plus un écart énorme. On continue avec un troisième rapport, et cette fois, on est sur un binôme à l'ancienne. On compare le meilleur ancien binôme de cavalerie avec le nouveau potentiel meilleur en remplaçant Jeanne d'Arc uniquement. Nevsky, Jeanne d'Arc d'un côté, 210 000 troupes. Nevsky, Bélissère de l'autre, 268 000 de puissance perdue pour Bélissère Jeanne, 219 000 de perdu pour Bélissère Jeanne, pour Nevsky Jeanne, 219 000 de perdu pour Nevsky Bélissère, et on a 26 000, presque 27 000 troupes blessées grièvement pour Nevsky Jeanne, presque 22 000 pour Nevsky Bélissère, c'est très équitable, 31 000 troupes qui restent à la fin. Encore une fois, on est de l'ordre de 15%, le même écart qu'avec Gorgo, donc Nevsky Bélissère plus efficace que Nevsky Jeanne d'Arc. Encore une fois, plus efficace pour le moment à ce stade sur l'open field. On continue, et cette fois on est sur Nevsky Jeanne d'Arc avec le nouveau meilleur duo cavalerie, cette fois sans remplacer uniquement Jeanne d'Arc, HQ avec Bélissère. Moi je suis content parce que HQ William, ça me saoule un petit peu avec Guillaume 1er, hein, parce que je ne l'ai pas expertisé et je trouve que c'est trop un commandant de niche William 1er, même s'il est très bien. Et bien là, HQ Bélissère éclate totalement notre ami Nevsky Jeanne d'Arc. 326 000 de perdu du côté de Nevsky, 236 000 du côté de Bélissère, 32 000 troupes sévèrement blessées contre 23 000 et surtout il reste que presque 50 000 troupes à Bélissère. C'est le rapport le plus favorable. On est quasiment à 25% de troupes restantes. Un rapport extrêmement favorable pour Bélissère. La conclusion est que HQ Bélissère, nouveau meilleur duo cavalerie en open field. On continue, il reste deux rapports à étudier, les amis. HQ Bélissère face à HQ Nevsky. Alors là, on le sait, HQ Nevsky,
C'est pas ce qui se fait de mieux et on le voit tout de suite. Regardez, 205 000 de perdus pour Bélisser, 301 000 du côté de Nevsky. Et surtout, en termes de troupes blessées grièvement et de troupes restantes, 20 000 à 30 000. On passe du simple à 50% de troupes en troupes blessées. Hein. Et pareil, en termes de troupes restantes, hein, on est sur le meilleur ratio. On est pratiquement à 30% de troupes restantes sur un rallye en défense, ça ferait énormément de morts. Dernier rapport, sixième et dernier rapport cette fois. On retourne sur l'ancien Zhugliang Hermann face à Nevsky Bélisser et non plus HQ Bélisser. Et là, le rapport est aussi favorable, moins favorable que HQ Bélisser, mais on a quand même 20% de troupes restantes, hein, 44 000 troupes restantes du côté de Nevsky Bélisser. Ça reste un ratio très intéressant en termes de puissance, de 189 000 perdus du côté d'Hermann, de 119 000 du côté de Bélisser et 29 000 quasiment troupes blessées grièvement du côté d'Hermann, 22 000 du côté de Nevsky. C'est intéressant de regarder les troupes blessées, ça nous donne une indication. Vous le savez, on a en général autant de troupes blessées grièvement que de morts sur certains assauts quand il y en a. Et sinon, c'est les troupes légèrement blessées, hein, autant que de morts. Les ratios sont facilement calculables avec ces rapports. Au final, quel est mon avis sur Bélisser Prime ? Est-ce qu'il est intéressant ? Il ne me paraît pas énormissime à ce stade. Si vous avez HQ, vous pouvez remplacer HQ William par HQ Bélisser, ça sera plus performant sans être non plus la dinguerie annoncée. Vous le voyez, hein, Gorgo Liuce fait extrêmement mal, mais sur le duo star d'Open Field actuellement, Zhugliang Hermann, il fait largement le taf. Et en parlant de duo star d'Open Field, les amis, on va retourner voir la situation sur l'énormissime KVK en tout en cours et ouverture de porte en cours, hein. Il s'agit bien évidemment du 24-29 qui est face au 23-77, mais c'est pas le seul. Vous le savez, il y en a deux qu'on suit, les S2S qui étaient et qui sont en difficulté sur ce KVK face au GV77. Les GV77, hein, qu'on annonçait perdants de leur match parce qu'ils allaient être pris à 100% en terre du roi. Eh bien, regardez, c'est très simple. Ils sont effectivement pris à 100% en terre du roi, mais ils ont quand même gagné leur match de ligue et sont qualifiés pour les 8e. Et regardez, la ziggurat est bel et bien occupée et elle est occupée par les GVS. Les GVS, c'est l'alliance des GV77. Ils ont totalement repoussé leurs adversaires, hein, et c'est fini. Pour les S2S, à présent, les GV77 ont gagné leur KVK. Franchement, c'est dommage. Les S2S sont vraiment un énorme royaume. J'aime beaucoup, hein, les S2S. Les GV77, j'étais partagé. Je ne sais pas s'ils allaient être capables de gagner leur KVK, mais on le voit, ils ont gagné. Donc bravo à eux. Est-ce qu'ils vont rentrer à présent dans le top 5 des plus gros royaumes? Je vous laisse me donner votre avis. Je pensais que les S2S pouvaient faire une très grosse montée, hein, en cas de victoire, hein, mais malheureusement pour eux, ils ont perdu leur KVK, les 24-29, et donc les GV77 là vont être énormissimes en migration. Le C1-22-15 est donc, même s'il a 35 jours, hein, est donc terminé. On ne va plus avoir à le suivre, hein, mais on va tout de même suivre les migrations s'il n'y a pas une méga migration à venir. Parce qu'à mon avis, ils vont vraiment recevoir d'énormes joueurs qui pourraient venir notamment de très très gros royaumes qui sont en train de perdre des joueurs. Comme le 1365, hein, des GST, hein, qui actuellement n'est pas au max de sa forme, les GST. Il faut vraiment qu'ils gagnent la Ligue Osiris, hein, ou qu'ils atteignent au moins la finale s'ils veulent pouvoir conserver tous leurs joueurs. Dans le second KVK qu'on suit, on suit également le 22-68, c'est lui que je cherchais, avec les SV68 et une énormissime bataille en Terre du Roi. Regardez ce qui se passe, les amis, sur les Terres du Roi. C'est une dinguerie. Alors, les portes des Terres du Roi, si je dis pas de bêtises, elles n'ont pas encore ouvert. Elles vont ouvrir, c'est la bataille d'accès pour les Terres du Roi. Vous le voyez, ça avait mis un front de forteresse, mais ils ont réussi à poser cette forteresse là
comme je vous l'avais montré, et du coup ils ont réussi à tout dégager, tout déglinguer, et ils ont fait bien le ménage, hein, les SV68, avant justement l'entrée en Terre du Roi, l'ouverture des portes de niveau 9. On n'a toujours pas ouvert ces portes dans 4h06. Quand vous verrez cette vidéo, hein, vous pourrez aller voir ce que ça va donner sur ces Terres du Roi. Je vous ferai bien évidemment une vidéo à la suite de l'ouverture. On va voir qui va dominer. Je pense que les SV68, hein, vont gagner SKVK. Je me trompe peut-être, les 166 sont quand même fait dominer sur leur zone, même si leur forteresse est encore là, même s'ils ont récupéré la porte, hein, ils ont réussi à retourner et à tenir à ce stade, hein, bon sur cette porte-là, mais on les a vus quand même dominer, et on pourrait penser, hein, que les alliances face à eux se réservent justement pour les Terres du Roi. En tout cas, ça va être énormissime. Les SV68 ont aussi une très grosse carte à jouer. Eux, on parle pas du top 10 des Imperium, mais du top 20 Imperium qui pourrait leur ouvrir les portes s'ils assurent sur ce méga KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, les amis, demain, vidéo pronostic pour continuer à plier le store. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.